Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir, je suis réveillé à New York. Il est exactement 8h10 et je vais aller prendre le petit déjeuner parce qu'il y a une longue journée qui m'attend. Le vol pour Los Angeles à 14h, je dois aller au magasin B&H Photo Vidéo prendre quelques trucs. C'est un peu le Saint Graal de la vidéo là-bas. Tout le monde veut y aller, ben, j'ai la chance de pouvoir y aller. Donc je vous dis à tout à l'heure. Peace. Bon, de retour du petit déjeuner, nous allons préparer nos affaires parce que bientôt ça va être le départ. Et voilà. Mais je vais vous montrer un peu de la ville aussi. Voilà l'image que j'ai. Et oui, c'est New York. Sa folie des grandeurs. Yes. Comme vous pouvez le constater, la lumière n'est pas terrible dans cette chambre. Mais bon voilà, j'ai passé une nuit moyenne, on va dire. Et là, il y a une voiture qui vient me chercher dans 15 minutes, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller dans ce magasin de vidéos qui s'appelle B&H Photo Vidéo, qui est tenu par par des juifs, comment on les appelle, ceux qui ont les chapeaux et puis les Ashkenazes, je crois. C'est un très très grand magasin et le fait d'aller là-bas, ça fait toujours plaisir. Mais le montant est compté parce que ils ouvrent à 10h et je dois aller à l'aéroport, je dois quitter Manhattan pour aller à John Kennedy Airport à 11h parce qu'il y a au moins 45 minutes de circulation. Mon vol est à 15h, il faudrait que je sois là-bas au moins 2 heures avant, donc il faudrait que je parte d'ici à 11h en fait, 11h15. Voilà, en supposant que... Donc voilà les amis, cette petite vidéo, et là je m'en vais à Los Angeles pour enregistrer, rencontrer, retrouver mon ami et producteur Umberto Gatica pour qu'on puisse finir notre projet, le Bali Jazz Project. Et j'ai déjà mon équipe devant qui m'attend. Et nous avons des arrangements qui ont été faits par un super arrangeur de Los Angeles qui s'appelle Chris Walden. Il a fait beaucoup de choses à Hollywood et c'est un mec génial quoi. Voilà. Vous aurez toutes les vidéos de toute façon de tout ce qu'on va faire là-bas. Donc, ciao! Vraiment. Nous sommes à Los Angeles, SLS Hotel. Monsieur Boss Patrick Moswami est en train de filmer avec la Canon C70 qui a un look terrible. Bien sûr, il y a le 50 mm 1.2. Yes. Je me rends que ça fout derrière là, c'est incroyable. Parce que la Canon là, j'ai reçu un magnifique cadeau de monsieur Harvey Mason. Merci pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon cadeau. My gift to me. My gift to me. Oh! You know what? Thank you very, very, very much. Thank you for the experience. Un cadeau très touchant parce qu'il s'agit d'une paire de baguettes personnalisées. C'est-à-dire que c'est une paire de baguettes qui a été faite pour lui. Et il a mis ça dans une boîte et il m'a offert ça. Comme vous pouvez le voir, cette paire de baguettes, magnifique. Alors, je ne vais même pas ouvrir la boîte. Hein. Je vais juste enlever les plastiques qui sont autour de protection. Et je vais faire encadrer ça par ma femme, qui va mettre ça dans un tableau. Et ça va être plaqué sous mon mur à l'entrée de chez moi, comme un Hall of Fame. Parce que le groupe 4Play m'avait déjà offert un disque vinyle qu'ils avaient tous signé. Bob Gibbs, Harvey Mason,
Nathan East, et ça va aller en dessous, et c'est quelque chose de comment dire en anglais, valuable, c'est quelque chose d'historique pour moi. Donc je suis un homme content, et voilà. En plus de ça, les séances que je suis venu faire à Los Angeles ont été magnifiques, et j'aurai beaucoup de choses encore à vous proposer. Vous allez voir de magnifiques vidéos qui vont être réalisées par M. Aurel Safou et M. Patrick Monsouami, qui seront aux commandes. Ils vont vous faire de belles images, ils vont me rendre beau.